Eh bien, salut à tous, c'est Dixi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo ASMR. Non, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo Skyrim, Tezo, plutôt, The Elder Scrolls Online, sur le DLC de Morrowind, le dernier DLC de cet opus. Et aujourd'hui, on va redécouvrir le jeu en repartant de zéro, en faisant un nouveau personnage. Là, vous avez mes deux persos, en tout cas celui-là je l'avais testé, qui sont tout simplement d'une classe qui m'est propre. Et aujourd'hui on va faire une classe exclusive au DLC, la classe de gardien, et on va entrer tout de suite dans le jeu et voir les nouvelles aventures et péripéties qui nous attendent. J'adore les musiques. Là, on va être propulsé à Vanderfell, qui est la ville, la région principale du DLC. On va être transporté de suite et on va aller dans un donjon. Ça va être le principe de cette vidéo, d'aller le plus rapidement possible pour pouvoir le faire. Voilà. On va fouiller tout ce qu'il faut avant de partir. En tout cas, je suis vraiment adepte de tout ce qui est musique dans ce jeu. C'est relaxant, c'est de l'époque, c'est tout ce qui est viking, chevaleresque, tout ce qui est nordique, tout ce que vous souhaitez. Ça me transcende. Du pain. Oh oui, du pain. Et nous sommes partis à la quête de nouvelles aventures. Les tomates! Les tomates. Une hache de bataille, et on est parti. On y va. Le tonnerre? Un éclair? Tout est beau. Alors, je vais vous faire découvrir aussi les nouvelles aptitudes. Nous avons le plongeon. Nous avons la croissance fongique, je vais pas la prendre. L'étreinte, le cap de givre. Et par contre, nous avons du stuff, les amis. La dague de fer, on va la laisser. Les armures, donc nous avons ceci. Et on va pouvoir l'enchanter. Non, on va pas pouvoir l'enchanter. Nous avons des outils de collection. Alors, on a des collections, voilà. Nous avons la conversion de la Morashtong, c'est ce qui est prévu dans le DLC. Ça donne la gueule à vos armes, à vos stuff, donc tout ce qui est armure et épée. Et là, nous avons l'aventure exclusive, le destrier Dwenmer et des familiers pacifiques. Nous avons l'araignée et le chien de guerre. On va les activer. Nous avons notre toutou qui est là. Et nous avons notre monture juste ici. C'est parti. On va se rendre tout simplement sur ce PNJ. On va skipper tous ces trucs voilà, inutiles. Enfin, du moins à la découverte du DLC, puisque pour vous, vous allez le découvrir vous-même si vous le souhaitez. Moi, c'est ce que je vous conseille aussi, parce que sinon, ça n'a aucun avantage de le faire. Donc on va tout simplement faire le nécessaire pour pouvoir obtenir la quête. On s'en va tout de suite. Oh là là, il va falloir sauter. Et je n'ai pas... Voilà, le saut est là. Nous allons nous rendre au phare. On va monter, tout simplement. Demander des informations au mec là-haut. Ah, excusez-moi si ça fiche le tournis. Je préfère cette vue-là que la vue FPS. En tout cas, pour les combats, je préfère en FPS. Mais l'exploration, vraiment à la troisième personne. Le TPS. Wow! Je croyais que c'était un mob. C'est juste un champi. Allez, on y va. Écoutez, ben non, je t'écoute pas. Et voilà une mort douloureuse. On revient à la vie. La technique pour faire le speedrun, vous voyez. Et là, je me rends directement. Ah non, me dis pas que je... Ah voilà. Je pensais qu'il fallait revenir au point de mort pour pouvoir revivre, mais non.
On va tout simplement y aller. On va parler à la Chawanesse. Balazar, la Chawanesse. Ah, j'ai tué mon chien, mon cheval. Regarde, maman! Tu vas te prendre une claclade. Oh! Laisse mon chien tranquille, toi. Le mal rampe dans les ombres de ma bien-aimée Vardenfell. Mais voici qu'un étranger se porte au secours de mon peuple. Ah, moi j'ai rien demandé, hein. Je l'avais prédit. Comment ça, étranger qui vient pour t'aider? Non, non, du tout, moi je suis passé par là parce qu'on m'a dit de le faire. Clément Azura. Mets-toi debout! L'âme mère a parlé par votre bouche. C'est un miracle! Mets-toi debout! Le mec qui casse le jeu, quoi. Eh ben. Oui? Voilà, en fait, dans Skyrim, tu fais ça. Tu sélectionnes tout ce qui est sélectionnable, une fois que t'as fait, tu fais au revoir et t'y vas. Non, je plaisante, pour vraiment les puristes, vous allez m'engueuler, mais non. Moi, je suis plus un mec qui veut faire de la quête, de l'XP. Je suis quelqu'un qui se fiche généralement du scénario. C'est peut-être un défaut de ma part. Des fois, je comprends pas ce que je dois faire, mais je le fais parce que c'est le jeu. C'est dommage d'en arriver là, mais c'est vrai que si je prenais plus de temps... Ce genre de monde, c'est... Du MMORPG, il faut prendre le temps de connaître l'histoire, de s'imprégner du décor, de toutes les choses annexes autour du jeu pour comprendre l'histoire. C'est toujours mieux de l'apprécier, quoi. C'est vrai que là, pour une vidéo découverte, à moins de 15 minutes, parce que voilà, c'est un peu le code que je me suis imposé pour les vidéos, pour pas que ce soit pompeux, je vais essayer de vous la faire en moins de 15 minutes, justement. Juste un peu une phase de combat, de découverte. C'est mignon, tout ça. Alors moi, je vais prendre. Hein. J'assume, hein. Je vais prendre le home. Chemise d'esclave, je la prends pas. Voilà, je suis déjà casqué. Mais je parle pas de Richard casqué. Je pense que c'est un truc comme ça, je sais plus. Les jeux de mots de merde vont vite tomber dans cette vidéo. Voilà, un mob, en vue de la musique changeante, je pense qu'il y aura des mobs. Ah, oui, oui, il y a un mob. Allez, phase de combat, c'est parti en attaque. Bon, moi c'était assez rapide, 3 pièces d'or, on y va. C'est un endroit si paisible. Je venais méditer ici, pour m'initier. Si paisible, si paisible... Personne ici? Non. Serait-ce par là? Nous y sommes presque. Ah oui. Nous pourrons invoquer mon ancêtre. Ouais, bah ton ancêtre, mais il attendra un petit peu. La chambre d'invocation. Je vais convoquer mon ancêtre et vous pourrez lui poser les questions de Vivek. Alors. Je vais pas vous mentir, je l'ai déjà fait tout à l'heure parce que la vidéo avait bugué. Parce que ça saccadait à mort. Parce que la qualité était en ultra. Parce que mon PC, oui, il supportait de l'ultra sur ce jeu. Et voilà, j'avais mis en 60 fps, ça avait bloqué. Donc là, j'ai réduit un peu la qualité. Pour que ça soit fluide pour vous. Voilà, ça se voit, hein, c'est fluide. J'espère qu'en rendu, ça va pas saccader par contre, je l'espère. Allez, on parle. Ah, dont le seigneur Vivek avait besoin. Allons discuter dehors. Eh ben on y va. Oh, j'ai claqué qu'un mec, c'est bizarre quand même. Ah, voilà du monde. C'est tout ce que je voulais, mec. Voilà. Bon, je suis énervé. Excusez-moi. Et on sort à Vardenfell. Et on va arrêter la vidéo dès maintenant. Et je vous laisse à vous la chance de découvrir ce DLC qui est disponible directement sur le jeu. A savoir que maintenant que tes online n'est plus obligatoire de payer tous les mois un abonnement. Vous avez l'édition, on va dire, exclusive, définitive ou je ne sais plus,
qui vous permet d'acquérir le jeu en une fois et ne pas acheter un abonnement sur le jeu. C'est une bonne chose pour les personnes qui veulent découvrir ce jeu sans devoir s'engager sur un abonnement tous les mois. Merci qui est d'une valeur d'une dizaine d'euros, je pense, un peu à la Final Fantasy 14. Et voilà. Donc j'espère que cela vous aura plu. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me demander en description si vous voulez la suite de ce jeu, du moins de ce DLC. Ou sinon, prenez votre courage et forcez le destin et faites-le vous-même. Voilà, c'était Dixie. Peace tout le monde.